Monsieur le ministre de l'Intérieur a procédé au dépôt d'une gerbe en hommage au préfet Claude Erignac. Il y a 15 ans, jour pour jour, un préfet, Claude Erignac, marchant confiant dans les rues d'Ajaccio, a été lâchement assassiné. On l'a ôté aux siens, à sa femme, à ses enfants, à ses proches. On l'a ôté à cette belle et noble mission à laquelle il avait consacré sa vie, servir l'État, servir la collectivité, servir l'intérêt général, servir la France. S'en prendre à un préfet, c'est s'en prendre à l'État, à nos institutions, c'est vouloir frapper la République en plein cœur, c'est vouloir l'effacer. Mais on n'efface pas la République, jamais, nulle part. S'en prendre à un préfet, c'est viser l'autorité et c'est atteindre l'homme derrière l'uniforme. Il y a 15 ans, des individus, des assassins, sans foi ni loi, dans l'ombre,
ont tiré sur un homme. Le temps ne doit rien atténuer, ni l'extrême gravité des actes, ni le souvenir de Claude Erignac. Notre présence aujourd'hui, aux côtés de son épouse et de ses enfants, qui ont fait preuve de tant de dignité, de tant de courage, est une promesse de fidélité aux valeurs qui animaient Claude Erignac, aux valeurs qui sont les nôtres. À vous, Madame, chère Dominique Erignac, dont le beau visage reflète à la fois la douleur, celle d'avoir perdu l'être le plus cher, et la dignité qui force l'admiration. À vous, Charles-Antoine et Marie-Christophine, je veux dire que nous n'oublierons jamais le nom de Claude Erignac. Le président de la République vous l'a dit en vous recevant cet après-midi. Ce nom devra toujours être écrit sur les murs de notre République. Il en est un symbole, une grande figure. Il est un symbole du corps préfectoral, de ces femmes et de ces hommes qui assurent la continuité de notre État, qui assurent que dans tous les territoires de notre République, une même loi s'applique. Les préfets ont fait, ont construit la République. Au fil de son histoire, ils ont été des bâtisseurs, des organisateurs, des défenseurs d'un État impartial, gardiens de l'unité de notre nation. Vous êtes ici rassemblés dans cette cour, vous qui formez ce corps, vous les héritiers et les prolongateurs d'une œuvre de plus de deux siècles, de cette œuvre qu'est la France d'aujourd'hui, dans la diversité et la cohésion de ses territoires, en métropole et dans les outre-mer. Les grands préfets forment un panthéon pour notre République. Je pense à Valentin Abeille, à Louis Dupièche, à Pierre Sudreau. Je pense aussi à Paul Delouvrier, à Maurice Grimaud. Je pense aussi à Yvette Chassagne, première femme préfète en 1981. Je pense, bien entendu, à Jean Moulin. On connaît le rôle déterminant de Jean Moulin dans la Résistance. On ne dit pas assez qu'avant d'être un combattant de l'ombre, il fut, en plein jour, un grand préfet de l'Aveyron, puis d'Eure-et-Loire. Jean Moulin, c'est le courage pour la défense de grands principes. C'est l'expression d'une intransigeance quant à la conception de l'État. Jean Moulin, c'est une détermination qui n'était pas partisane. Cette détermination voulait servir la France, servir la République, servir la démocratie. Cette détermination, ces grands principes, étaient ceux de Claude Erignac. Les préfets sont des représentants de l'État et du gouvernement. Ils mettent en œuvre les grandes orientations fixées par la volonté du peuple. Ils sont des relais et non pas des fusibles mis à disposition. Les préfets assurent l'action de l'État. Ils assument l'autorité de l'État. Être préfet, c'est plus qu'une profession, un métier. C'est une mission, un dévouement. Et un préfet, c'est l'image de la République. C'est l'incarnation de la République. C'est une République qui prend une dimension humaine. Claude Erignac, dont chacun s'accorde pour souligner sa dimension humaine, a assumé toutes les fonctions qui font un parcours. Sous-préfet, préfet de département, de région, administration centrale, métropole, outre-mer, au fil de ses affectations, il a fait la démonstration des qualités qui font un grand préfet. Capacité d'écoute, de dialogue, d'empathie. Capacité à convaincre, à décider, à mobiliser. Les préfets sont des représentants de proximité de l'État. Et Claude Erignac a toujours veillé à agir au contact des élus, des citoyens, dans l'intérêt des territoires. Il n'a jamais ménagé ses efforts. Je connais le désarroi qui a pu traverser ou qui traverse le corps préfectoral. Je veux lui redire toute ma confiance. Que vous toutes et vous tous, préfets, sous-préfets, trouviez dans ce moment solennel qui nous rassemble
l'assurance de tout ce que l'État attend de vous et de combien l'État a besoin de vous. Servir l'État n'est jamais anodin. Le servir en Corse l'est encore moins. Claude Erignac en a conscience quand il prend ses fonctions à Ajaccio en janvier 1996. Il porte alors la parole de l'État avec détermination, mais sans être obstiné, avec fermeté, mais avec souci de justice. Il parcourt les routes, il va au contact des Corses, avec qui il noue une relation d'estime et de confiance. Il est leur préfet, et face à la violence, il se refuse à toute faiblesse, à tout renoncement. Les feuilles de chêne et d'olivier brodées sur les uniformes des préfets symbolisent la force et la paix. Utiliser la puissance de l'État pour faire œuvre d'apaisement, voilà la ligne de conduite qu'a suivie Claude Erignac. Une ligne que certains ont brisée, nette. Les coupables ont été déférés à la justice. La justice est passée. Elle a dit la vérité. Elle a puni avec la sévérité que prévoit la loi. Cet acte odieux a donc été jugé, mais avant, il avait déjà été condamné par un pays entier sous le choc et par la très grande majorité des Corses. Au lendemain de l'assassinat, les Corses étaient dans la rue pour dire leur indignation face à une violence terrible, une violence contre l'État. On venait de tuer leur préfet. Et je sais combien les Corses souffrent de voir leur île prise en otage par la violence. La violence politique, surtout quand elle se mélange à la violence criminelle, est une impasse. La Corse, c'est la France, et ceci ne changera jamais. La Corse, ce n'est pas une île de l'endroit, c'est une île qui a son identité, sa culture, son histoire. Elle est une partie indissociable d'un tout, la République, et ceux qui s'opposent à cela se mettent hors la loi. Le gouvernement n'a pas l'intention de fermer les yeux, encore moins de les baisser, face aux mafias qui veulent imposer aux Corses un autre ordre. En Corse, en République, il n'y a qu'un seul ordre, l'ordre de la République. L'État mettra en échec le crime organisé qui veut imposer ses règles. Tout ne se fera pas en un jour, mais les résultats viendront grâce à la continuité, à la constance de l'État. Les Corses ont besoin de l'État, de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, Patrick Strauda et Louis Lefranc incarnent la représentation de l'État en Corse. Je veux les assurer de ma confiance et de mon entier soutien et leur dire, nous en parlions, Madame, tout à l'heure, que nous ne céderons à aucune menace. Il y a 15 ans, de vils individus ont fait tomber un homme. Aujourd'hui, ici, mais aussi partout en France, la République et chacun d'entre vous se tiennent debout. La République peut parfois chanceler devant l'horreur et la lâcheté. Elle peut douter, mais la République, inexorablement, inlassablement, se tient et se tiendra toujours debout. C'est cela, honorer la mémoire de Claude Erignac. Oh!